une superbe entente. Tina Kuneke et Vincent Cassel se sont dit oui le 24 août dernier, à la mairie de Bidart sur la côte basque. Et depuis ce jour, les deux amoureux ne semblent plus pouvoir se quitter. Ce lundi 10 décembre, ils se sont rendus ensemble à l'avant-première du long-métrage « L'Empereur de Paris » au cinéma Gaumont Opéra de la capitale. Tina Kuneke avait choisi de porter pour l'occasion un très chic manteau noir ainsi, et avait lissé ses cheveux. Au bras de son très élégant époux, la jeune femme était rayonnante, et le couple s'est montré très tendre. Complices comme à leur habitude, l'acteur et sa femme ont échangé de nombreux regards qui en disaient long, et n'ont pas pu s'empêcher de rire, pendant que les photographes faisaient leur travail. Résultat barre oblique. Des clichés naturels, qui devraient ravir les fans du couple de stars. Sur Instagram, ils sont déjà des milliers à suivre le quotidien du duo. Sur leur compte, Tina et Vincent partagent tout ou presque, déclarations d'amour en chansons, selfies à foison et règlements de compte, avec leurs détracteurs sont au rendez-vous. Cette nouvelle vie pleine de nouveautés et de spontanéité avec Tina Kuneke, Vincent Cassel n'osait même pas en rêver, et pourtant. J'ai été marié, j'ai deux filles, j'ai fait ce que j'avais à faire, confia-t-il à Vanity Fair en août dernier.